Vivement cet été. Barrel break-in, c'est la procédure de rodage d'un canon neuf. Alors cette procédure, elle va pas forcément intéresser le chasseur qui va pas chercher justement la précision ultime, mais plus le tireur de compétition ou le tireur longue distance. Pourquoi faut-il roder son canon? C'est pour éviter les problèmes futurs causés par cette chemise en cuivre. Et pour comprendre ce qui se passe à l'intérieur du canon dans les tout premiers tirs, on va justement voir un peu comment est fabriqué ce canon. Donc au départ, on a un barreau. Ce barreau, il est plein. Pour fabriquer un canon, on va utiliser ce barreau et on va venir retirer de la matière en perçant. Donc il y a différents procédés pour pouvoir percer ce barreau et en faire un canon, du moins on a l'âme du canon avec les rayures. Le problème, nous, c'est qu'on veut pouvoir justement introduire une cartouche dans ce canon. Donc il va falloir créer la chambre. Pour créer cette chambre et permettre à la cartouche de venir s'introduire dans le canon, on utilise un outil qui s'appelle un rimeur. On va imaginer que ça, c'est un rimeur. On a une sorte de petite ailette comme ça qui va venir en tournant bouffer de la matière. Et de cette manière, on va l'introduire donc dans le canon et on va venir comme ça grignoter la matière. On va se retrouver avec ceci. Et c'est ce qui nous permettra du coup de pouvoir introduire la cartouche. Alors ce rimeur, il n'a pas vraiment cette forme, il a plus la forme d'une cartouche puisqu'il va justement percer le canon pour pouvoir accueillir une cartouche. Donc il a une forme, ce rimeur, cet outil un peu plus profilé. Et de cette manière, au moment de son introduction, on va se retrouver avec une prise de rayures progressive. Donc la crête des rayures qui sera usinée comme ça, qui sera bouffée, eh ben, elle va se retrouver progressive. Et en fait, en attaquant la matière de cette manière, on va se retrouver avec un petit échelonnage de matière vraiment qui est quasi invisible à l'œil. Et en fait, ça va créer à l'œil des stries. Le YouTuber Winning in the Wind le met parfaitement en avant puisqu'il introduit une caméra dans le canon neuf. Et vous voyez bien l'action de ce rimeur. Donc on a des stries qui sont perpendiculaires par rapport à l'axe du canon. Et le problème de ces stries, c'est qu'en fait, ce ne sont pas que des stries, ce sont carrément des petites bavures qu'on ne voit pas. Et ces bavures, au moment du passage de la balle, vont venir racler la surface de la chemise en cuivre, ce qui va créer une poudre très fine. Le sniper québécois Mario Dutil, dans son article « Le rodage, mythe ou réalité », nous explique parfaitement la chose. En fait, on va avoir donc ces petites bavures qui vont venir gratter, créer cette fameuse poudre, et au moment du départ, la chaleur est telle et la pression est telle que ces fines particules vont fusionner avec l'intérieur du canon, avec l'acier de l'intérieur du canon. Et le problème, c'est qu'elle va pas se répartir de manière uniforme sur l'ensemble de la surface. Du coup, on va se retrouver avec des petits amas un peu partout, avec des endroits où ce sera un peu plus resserré, donc ça va ralentir le projectile, ça va déstabiliser le projectile. Bon voilà, le but à la base, c'était de faire de la précision. Et là, on se retrouve avec une trajectoire, du moins une stabilisation à l'intérieur du canon qui ne sera pas optimisée. Et donc maintenant, comme j'ai ma Savage Axis avec un canon pour faire de la précision, je vais justement procéder au premier rodage de ma première carabine en 308 Winchester. C'est parti.
Ça va, il jette aussi. Ouais. Tu sais, j'ai pas de guide baguette, mais si tu vas progressivement, je pense pas que tu vas abîmer comme ça. C'est pas comme si je le faisais tous les jours, tu sais. Alors avec les images que vous avez vues, vous en doutez, j'ai pas fait les choses très très sérieusement. Alors j'ai tenté de respecter un protocole. Idéalement, il aurait fallu tirer une cartouche, un nettoyage, une cartouche, un nettoyage, 5 fois d'affilée. Ensuite, on espace un peu plus le nettoyage, on tire 5 cartouches, un nettoyage, 5 cartouches, un nettoyage, 5 fois d'affilée. Ensuite, on passe sur du, je crois, 25 coups ou 10 plutôt, et on, à chaque fois un nettoyage, voilà, en tirant un gros plus d'une centaine de cartouches. Et encore, j'ai pas en tête le vrai protocole à respecter. Quoi qu'il arrive, j'aurais voulu faire une vidéo pertinente sur le rodage en lui-même. J'aurais cherché à avoir 2 carabines identiques, neuves. J'aurais tiré 50 cartouches dans l'une d'affilée. J'aurais procédé à un nettoyage. Ensuite, j'aurais respecté justement scrupuleusement un protocole qu'on retrouve facilement sur Internet. Et j'aurais fait un nettoyage et on aurait inspecté l'intérieur du canon avec la caméra pour voir si c'est vraiment... Si c'est vraiment probant, si c'est déjà pour le test, mais surtout si ce rodage est vraiment nécessaire. Ça n'empêche que je peux vous faire un petit retour sur le semi-protocole que j'ai respecté. Déjà, vous avez remarqué, j'avais pas les gants et je l'ai bien regretté puisqu'on reste sur des produits toxiques. Donc, il va falloir vraiment rester vigilant là-dessus. Également, la prochaine fois, j'utiliserai du papier tissé, hein, du papier fait pour le nettoyage des carabines, tout simplement, puisqu'il va éviter de se désagréger dans le canon. Et puis d'essuyer et puis de laisser quelques résidus donc sur ma baguette, voilà, du moins sur l'écouvillon. Ensuite, concernant le bore scrubber utilisé dans la vidéo, c'est quelque chose qui devrait normalement mousser. Alors j'ai peut-être mal orienté, j'ai pourtant fait beaucoup d'essais, il est resté sous forme de gel. Alors c'est resté très 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 efficace pour nettoyer le canon, je vous le confirme, j'avais vraiment des papiers que j'utilisais qui étaient vraiment très sales après un tir, donc c'est vraiment très efficace je pense, ça retire le cuivre. Par contre, le problème, donc, c'est que sur la notice en français, ils expliquent de saturer le canon. Donc, je suppose avec cette mousse. Et ensuite, niveau les Américains, eux, enfin en anglais du moins, ils proposent plutôt de faire mousser un patch et de l'insérer ce patch dans le canon et de faire des allers-retours. Voilà. Donc, je pense que là encore, il faut connaître un peu plus pour pouvoir utiliser ce type de produit. Ça n'empêche, voilà, c'est effectué. Le principal là-dedans, c'est de faire des essais, mais surtout d'utiliser des gants. Grosse erreur de ma part. Le rodage. Là, on est sur de la carabine d'entrée de gamme. On peut imaginer qu'en montant de gamme, on se retrouve avec un rodage qui sera peut-être moins fastidieux. Tout simplement puisqu'on va avoir peut-être un outil de perçage, donc ce fameux rimmer qui sera de meilleure qualité et qui sera peut-être changé plus régulièrement. Ce qui fera qu'on n'aura pas besoin de chercher à atténuer ses bavures avec le rodage, hein, pour pouvoir tirer ensuite plus régulièrement. Babar Free Fight m'a contacté sur Facebook suite à ma vidéo sur la durée de vie d'un canon gros calibre. J'avais dit dans cette vidéo que la durée de vie d'un canon de 308 Winchester, d'une carabine 308, c'était environ 5000 coups. Lui, il m'a contacté pour me dire qu'il y avait notamment des carabines utilisées par l'armée française qui permettaient de tirer environ 11000 coups. Enfin, qui était prévu du moins pour 11000 coups. Et tout simplement puisqu'ils utilisent un manchon en stellite, c'est un matériau qui est très dur, donc au niveau de la gorge, ce qui empêche justement de bouffer comme ça le début des rayures. Ça, c'était par rapport à la vidéo sur la durée de vie du canon. Donc je lui ai demandé, je lui ai dit, je suis en train de faire une vidéo justement sur le rodage, et il m'a dit que aujourd'hui, dans ce type de carabine, le rodage n'est plus nécessaire. Tout simplement puisqu'ils utilisent un procédé non pas où ils viennent bouffer comme ça la matière, mais par électro-érosion. Donc en fait, ce sont des décharges électriques qui viennent retirer cette matière. Donc c'est beaucoup plus précis. C'est très très coûteux puisque ça, c'est énergivore. Et voilà, donc c'est merci à lui, à Babar Free Fight pour ces informations. On peut comprendre qu'une carabine, enfin un fusil pour les militaires, doit permettre d'être opérationnel immédiatement. On imagine mal demander à des militaires, bon, vous allez tirer 60 cartouches et faire un nettoyage entre chaque tir. Donc voilà. Merci à lui, merci à vous également, j'ai toujours besoin de vous, abonnez-vous, partagez les vidéos, c'est ma seule rémunération, enfin quasiment, de cette chaîne.
Voilà, moi, ce que je veux, c'est évoluer avec cette chaîne et vous proposer quelque chose d'intéressant et de pertinent pour vous, les tireurs. Voilà, je vous dis à très vite. Ciao, ciao. Abonnez-vous. Je vais le redire encore une fois. Ciao.